Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de... Hop là, Shadow of the Tomb Raider sur PC. Donc je rappelle que c'est un jeu qui m'a été offert par Sulib. Encore une fois, merci à toi. Je vais voir ce sexto extraordinaire. Attendez, on va enlever l'ardoise peut-être aussi. On a lancé une nouvelle quête secondaire. Alors... Je crois qu'il manque un morceau au sexto. Je veux une photo avec moi. Non, parce que me dire des choses comme ça sans mettre une photo avec... Alors... Ensuite, c'est là-haut, donc je pense qu'il faut que je fasse le tour par ici, puis que je reprenne dans ce sens-là. Un sexto Odyssée. Pauvre Sumac, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais t'es lourd, toi! À vouloir que je sois habillé d'une certaine façon, c'est raciste! C'est raciste des vêtements. Oh, mignon. Alors, attendez, hop là. Inventaire. Tenue. Ah. Ah. Encore un sexto. Il y a marqué pièce jointe cette fois-ci. Tenue du garde-serpent. Mais je suis une quiche, en plus je prends pas la bonne tenue. Et vous me l'avez même pas dit. C'est honteux ça! Honteux! Alors, voyons voir, sexto, attention. Odyssée en premier. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée ça, hein. Si tu veux faire la saga d'Assassin's Creed, c'est un peu dommage quand même. Bah, ça va, il a l'air de tenir encore. Quoique, ouais, non, t'as raison, c'est un peu courbé quand même, hein. Mais très joli, très joli. C'est classe quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est honteux, Urtica. De commencer par Odyssée, c'est honteux. Non, parce que qui est en faire un récent autant commencer par Origins. C'est les origines du truc. Donc, alors, inventaire. On n'oublie pas, c'est la tenue du serpent, machin, chose, bidule truc, ça doit être ça. Garde serpent, voilà. Et maintenant, on s'en va. Bonjour, je suis un garde serpent. Si je me trompe de code pour allumer le téléphone, ça le fait pas. Ouais, donc en gros, il a 2-3 ans, quoi. Je suis hyper tapé sur les doigts. Mais c'est cool les tanières. Non mais sincèrement, je pense qu'elle a raison, Isa, sur le coup. Commence par les vieux, parce que si tu veux, si t'as l'intention de faire la saga complète, de passer des nouveaux récents aux vieux, c'est assez terrible. Horrible. Sumac a été tué par son domestique. Il n'avait pas mérité ça. Vous connaissiez Sumac? Tout le monde connaît Sumac. C'était mon mentor et mon associé. C'est grâce à lui que je travaille. Un commerce dans le quartier supérieur sans les bons contacts, c'est impossible. Et Sumac m'a porté ça, entre autres. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Merci, prêtresse. Eh. Vaut mieux être mûr, hein. C'est mieux. Je sais pas du tout dans quelle forme j'ai installé ce plaid quand je l'ai pris. Donc, on va bien voir. Mais voilà, je commence à avoir un peu froid. J'adore ces températures, mais quand même. Désolé, prêtresse, l'entrée est interdite.
Les gens sont en colère. Si je bouge, ils risquent de charger. Je peux peut-être trouver un moyen de les distraire. Oui, c'est une bonne stratégie. Hein? Un moyen de les distraire. On ne vous a pas prévenu que Sumac était mort ? Si, prêtresse. C'était un grand homme. C'est vrai. Alors sonnez l'appel des morts, qu'ils puissent partir pour l'au-delà. Oui, prêtresse. Tout de suite. Un peu de compote. Allez, ça y est, les blas. L'appel des morts. Quelque chose. Tu vois quoi? Ouh. Du pognon. Du pognon. Le pognon, c'est vraiment génial. Bon, j'étais déjà passé par là apparemment, parce que la fresque est déjà découverte. C'est plus calme. Entrez. Qu'est-ce qui s'est passé? À notre arrivée, Shoko, la maîtresse de maison, se disputait avec Taruka, le serviteur. Sumac était entre eux. Taruka était couvert de sang. Shoko a assisté au meurtre? Non. Shoko? Elle a trouvé Taruka au-dessus de Sumac en rentrant du marché. Est-ce que Taruka a avoué? Non, il dit qu'il est innocent. Mais vous êtes là, prêtresse. Personne ne peut mentir sous le regard des dieux. Quand il aura avoué, allez voir Pakal, l'enquêteur. Il est avec le corps. Ok. Faisons notre enquête. Toi, tu es petit. Oh, prêtresse, je vous en supplie. Je jure que je n'ai pas tué mon maître. Du calme, Taruka. Racontez-moi tout. Quand je suis rentré des champs, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui claquait. Et j'ai trouvé Sumac couvert de sang. On l'avait poignardé. J'ai tenté de faire quelque chose, mais c'était déjà trop tard. D'où tout ce sang sur vos mains? Prêtresse, vous devez me croire. Je reviendrai si jamais j'ai d'autres questions. Ok. I'll be back. Une personne suit mon conseil. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette chose? Prêtresse. Racontez-moi, Pakal. On a poignardé Sumac dans le cou plusieurs fois avec une arme pointue et tranchante. Comme une flèche ou un couteau? Peut-être, mais l'arme a disparu. On a fouillé toute la pièce. Alors c'est que l'assassin l'a emporté. Vous me permettez d'examiner le corps? Bien sûr. Que les dieux vous montrent ce que mes yeux n'auront pas su voir. Ouais, alors sympa, lui. Dès que j'en ai tué plein, des comme ça. Ça fait peu de sang pour un coup de couteau. Bonjour, Shoko? Oui, prêtresse? Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous me racontiez ce qui s'est passé. J'étais au marché avec mon pauvre Sumac. Prenez votre temps. Commencez au début. Vous étiez au marché? Oui, avec Akna. Je voulais préparer du bok chouk. C'était le plat préféré de Sumac. Akna? L'une de mes servantes. Qu'est-ce que vous avez vu en rentrant? Taruka était dans la cuisine, au-dessus de Sumac. Ses mains couvertes du sang de mon mari. J'ai crié, et les gardes sont arrivés. Est-ce qu'il avait une arme? Non. Est-ce que quelque chose a claqué à votre arrivée? Non. Bien sûr que non. Que faisait Akna? Comment ça, Akna? Elle était avec moi. On revenait du marché, toutes les deux. Elle est où, maintenant? Elle se repose dans sa chambre. Le choc a été violent. Je vais aller lui parler. Mais... Oui, bien sûr. Comme vous voudrez, prêtresse. Explore. Il y a du sang, là. Ça ne sera jamais propre. Il le faut. Je l'ai promis. Bonjour, Akna. Oh, prêtresse. Pardonnez-moi, j'ai cru que vous étiez madame. Je voudrais vous parler et vous poser quelques questions. Je ne sais rien du tout. Je ne sais jamais rien du tout. Elle s'ouvre, cette porte? La porte? Non, elle est cassée. Ça fait des années qu'elle est cassée. Akna. Je vais trouver un moyen de faire le tour. Elle cache quelque chose, celle-ci, là. T'inquiète que je vais le trouver, le moyen de faire le tour. Regarde, tu vas voir, on va passer par là. On va monter par ici.
devait bien finir par arriver. Prêtresse, bonjour. C'est bien vrai? On a tué Sumac? Oui, et je cherche Akna. J'ai des questions à lui poser. La domestique? Ne perdez pas votre temps avec elle. Elle ne sait rien du tout. C'est à peine si elle voit ce qui se passe sous le bout de son nez la plupart du temps. C'est-à-dire? Je suis désolée, prêtresse. Je n'aurais pas dû dire ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Disons juste que Shoko et Sumac n'avaient pas un mariage très passionnel. Shoko n'avait Dieu que pour Ical. Ical? L'associé de Sumac? Ils étaient amis? Même plus que ça, si vous voulez mon avis. Merci pour l'information. C'était un plaisir, prêtresse. Donc celui qui m'a engagé est-il celui qui en sait trop? Il y a des plumes spéciales, on va les ramasser quand même. Il me semblait que je pouvais accéder à la maison d'ici, non? J'ai un doute. Par où que j'étais passé? C'est quand même de là en face, on verra bien. Ah bah si, c'était par là. Encore du sang. Quelqu'un a voulu le nettoyer. C'est ici qu'on a tué Sumac. Y'a rien d'autre à faire là? Pourquoi je peux lui parler à elle? Je suis même pas la menacer? On a remué la terre ici, il y a peu. Ah! Ce couteau, c'est sûrement l'arme du crime. Reposez ça, vite! Madame a dit que si quelqu'un le voyait, elle aurait des ennuis. Quel genre d'ennuis elle aurait? Je vous en prie, prêtresse, ne me forcez pas. Si quelque chose arrive à madame... Vous devez tout me raconter. Madame n'est pas venue au marché avec moi. Quand je suis revenue dans ma chambre, la porte était cassée. Il y avait du sang partout. Madame m'a demandé de cacher le couteau pendant qu'elle appelait les gardes. Je suis désolée. Merci de votre honnêteté, Akna. Pardonnez-moi, prêtresse. La pauvre. Je vous en prie. Bon courage, Urtica. Shoko sera traduit en justice. Donc nous avons terminé. Ça, je prends, merci. C'est vrai que peut-être que je me repasse des flèches, j'ai quasiment plus rien, là. Ça le passe, ça passe, ça passe. C'est parce que je suis doué que ça passe, hein. Tout le monde le sait. Chut, Isa, c'est peut-être parce qu'il a pas encore vu le deuxième. Taruka est coupable, prêtresse. J'en suis certaine. On dirait qu'on a déplacé le corps. Oui, prêtresse. Est-ce que quelqu'un a vu Shoko au marché au moment du meurtre de Sumac? Elle était avec Akna, sa servante. Pourquoi? Taruka a entendu une porte claquer en arrivant. C'est comme ça qu'il a découvert le corps. Et Shoko est entré juste après. C'est bien ça. Alors où se trouve l'arme du crime? On a fouillé partout. Elle n'est pas dans la maison. Quelque chose nous échappe. Je vais parler à Akna pour voir ce qu'elle sait. D'accord, prêtresse. Je vous en prie. Je veux juste passer à autre chose et que justice soit faite. Ben, tu vas passer à autre chose. Examinez le corps, prêtresse. Vous serez peut-être plus perspicace que moi. Oui, prêtresse. Je peux vous aider? Vous m'avez dit que vous travailliez dans les champs. Vous êtes rentré avec vos outils? Non. Après l'attaque des rebelles, le culte de Kukulkan a saisi nos outils.
On est obligé de les laisser dans les champs. En codage, en surcharge, quand pourquoi? Quand Shoko est entrée, Akna était avec elle? Non, Shoko était seule. Akna n'était pas là. Pourquoi? Merci, Taruka. Donc c'est juste vraiment OBS, en fait, qui arrive plus. Parce que le processeur est à 40% et ça marque encodage en surcharge, donc je comprends pas. Pakal, Taruka est innocent. C'est sa femme Shoko qui a tué Sumac. J'ai trouvé l'arme du crime. Arrêtez-la! Non! Shoko n'était pas au marché. Elle a attendu qu'Akna et Taruka s'en aillent et elle a poignardé plusieurs fois Sumac dans le cou. C'est pas vrai! Sumac est tombé dans le passage. Shoko a déplacé son corps pour que Taruka le trouve plus facilement. Vous mentez! Ensuite, elle a claqué la porte pour attirer l'attention de Taruka. Elle a donné le couteau à Akna, elle lui a dit de le cacher et elle est venue voir Taruka pour l'accuser du meurtre. Silence! Vous serez jugés tous les deux. Je tiens à vous remercier en vous offrant ceci. Ah! Des effets des plantes d'endurance. Shoko, une meurtrière? Je refuse d'y croire. Pauvre Sumac. Et voilà. Quête... Ah ben non, pas quête pas terminée. Faut encore que je parle à lui. Taruka, vous pouvez partir. Merci, prêtresse. Parfois, il y a une justice. Et ouais. Parfois. Ah, tu trouves qu'il change beaucoup les deux premiers ou tu trouves qu'il change pas? Bah, tout est sur le processeur en fait. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Parce que là, il n'y a que le processeur qui travaille. Donc, et le processeur, autant au début je croyais que ça allait être normal puisqu'il y a des moments où ça montait à 100%, autant là, je viens de voir l'encodage qui avait du mal alors que le processeur est à 40-50% d'utilisation. Donc, c'est large encore. Hein. Donc là, je comprends pas. Bah non, ils peuvent très bien le tâcher à ma place. Est-ce qu'il faut que je... Et je la veux pas. Je vois un peu à quoi ça ressemble quand même. Nice Léopard. Beaucoup les villageois, t'as pas tort. Bon, en même temps, vu comment le jeu commence, je me dis que, en fait, heureusement qu'on les aide un peu. Inventaire, voyage rapide, compétence, inventaire. Je voulais remettre la tenue bleue juste pour voir ce qu'il avait à me dire, lui. Et après, Assassin's Creed Unity... Uluratu et ses rebelles sont les vrais enfants de Paikiti, si vous voulez mon avis. Et je ne suis pas le seul à être de cet avis. Mais personne d'autre n'ose le dire, apparemment. La purification approche. Et c'est la lignée d'Uluratu qui devrait sacrifier Kukulkan pour restaurer le soleil. Plutôt que l'inverse. Mais c'est le genre d'avis... C'est un avis qui pourrait te faire pendre, oui. Mais on va reprendre notre tenue de... De casse-croûte là, hop là, voilà, c'est bon. T'as pas vu comment il commence? Non, mais c'est pour ça. Tu verras quand tu auras le jeu. Non, mais c'est dommage par contre de te spoiler. Moi ça me dérange pas de me spoiler en général, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous ça veut gâcher une plaisir de jeu, je trouve ça triste que tu te spoiles. Ça me fait plaisir, dans un sens, que tu viennes quand même. Parce que, voilà, ça fait plaisir. Mais je suis triste quand même pour toi. C'est pas cool que tu te spoiles. Badum, badum. Et à chaque fois, ici, c'est lent. On ralentit, on peut pas courir dans cette salle-là. Pourquoi dans cette salle en particulier, on peut pas courir? Je trouve ça extrêmement bizarre. T'attends Assassin Odyssey? Mais c'est pas... Ah bah si, c'est aujourd'hui, donc tu peux aller chercher aujourd'hui normalement le jeu, non? Sauf si tu veux pas le payer, c'est une autre histoire. Ah, tu attends Unity, je veux dire peut-être, je sais pas. J'ai pas compris ta phrase, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Je suis un grand prêtre, je veux passer s'il vous plaît. Voilà, ils me disent rien, c'est bon.
Quelqu'un qui garde l'entrée là-bas. Oula! Bah alors? No pasaran. Je voulais parler au monsieur. Alors ça doit être le genre de porte qui doit pas être pratique à ouvrir. J'attends toi. Oh, c'est mignon. Je vous invite à la prudence, prêtresse. La révolte est étouffée, mais elle gronde toujours. Seul, vous faites une cible de choix. Je devrais pouvoir me débrouiller si je croise un rebelle. Bien dit. Ils peuvent rien contre nous. Même s'ils se battent comme des démons. Ils se battent pour survivre. Ben, d'ici 20 minutes environ, on passe à l'Unity. Par exemple... Tous ces soldats morts, il y a plus de rebelles que de fanatiques. Et personne ne pense à ramasser les corps, ils... Ou alors c'est très très récent, mais quand même. C'est dégueulasse. Il y a un truc à droite. Minano no kolof malof yetel mishuts kansani lobi tsokili uhets tantike beili kun uchulo hachwa helum binton utsil wa minan kukulkantik wignalone Alors oui, on voit ça, c'est quoi? Fils de calendrier. Ces roseaux, attachés avec de la corde et de la pierre, représentaient un cycle de 52 ans. 52 ans ? Et comment ils faisaient pour se rappeler de quel rouleau c'était ? Bon courage, Urtica. Bon courage, ça va être long. Très long. Voilà, c'est bon, on peut avancer. Le sang là, il est un peu bizarre quand même. Ils ont du sang qui devient blanc de loin. Alors, on n'est pas du tout discret quand même. Hein. On est une nana déguisée en prêtresse, avec des cheveux longs et tout. Yalin kimesal jokol kilich mayakche Yalin wilik tochbal ukakil inishahawon Uhashut sileka shiken yignal jum silob. Est-ce que c'est une vraie langue? Tanu vintage kasin ma kuslakech kakash vishela hokol utsilikilapati gletusil jum silo. Tu seten lobin tono makat likesamuk. Alors, il faut savoir que sur PS4, t'as peut-être des versions remasterisées de certains jeux. Enfin, remasterisées, des versions collection de certains jeux. Par exemple, je me demande s'il n'y a pas une édition Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélations sur une seule boîte, par exemple. Essaye de regarder s'il n'y a pas ce genre de choses. Ça, à mon avis, serait peut-être mieux pour toi que sur PC. Sur PC, il est possible, que, comme c'est des vieux jeux, que ce soit toujours un peu compliqué de les faire fonctionner, ce genre de choses. Ça arrive. Alors que c'est une version console, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Du moins pour ceux qui sont sortis sur PS4. Ah, vous m'excuserez, je suis une grande prêtresse. Patati patata. Je vais juste récupérer ce qu'il y a dans le bain de pied là. Voilà. Ah si, on peut réaccélérer. Apparemment non, personne n'a envie de contredire la vérité. Faut que je continue par là-bas, j'ai pas trop le choix. Un monolithe. Un monolithe sauvage. Ça décrit quelque chose de proche. Deux frères d'armes qui se tiennent dos à dos. Je suis au pied de celui qui surveille le serpent ombragé.
C'est bien de pouvoir zoomer sur le décor comme ça. Alors on est où là par rapport... Ok, je suis tout au sud, donc ça montre un truc qui serait par là-bas, ça. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est par là-haut. Ok, je comprends. Donc là-haut, nous avons la grande pyramide, le grand grand temple qui est au bout là-bas. Mais ça, c'est joli aussi, hein. J'aime bien. Je suis pas sûr que je change grand chose là-bas au PS Plus là pour le coup. S'il faut acheter un jeu, il faudra le payer quand même. Hein. Il n'y a pas de réduction que je sache pour l'instant pour les PS Plus sur Assassin's Creed. Pour l'instant, elle parle pas. Le truc c'était quoi là? Ils se tiennent dos contre dos, deux frères d'armes, je suis au pied de celui qui surveille le serpent dans l'ombre. Et il me l'affiche où le machin là? C'est là. Un qui surveille le serpent. Deux guerriers dos à dos. T'es qui, toi? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir d'autres... révoltes? Ça a complètement chamboulé le jour de marché. Je suis sûre qu'on trouvera bientôt une solution à ce conflit. Eh ben, je l'espère. J'ai mal joué, mais j'ai trop froid, moi. Dans moi, à force de pas trop bouger, ça fait froid, quand même. Hein. Allez, hop. On met ceci. Ah, c'est quoi, ça? Des yeux globuleux, des crocs. C'est Tlaloc, le dieu aztèque de la pluie et des orages. De son côté pacifique, il est le dieu de l'eau et de la fertilité qui apporte la vie et la nourriture. Mais, revers de la médaille, il règne également sur le tonnerre, les éclairs, la grêle et tous les aspects destructeurs de l'eau. Ceci inclut l'érosion. Il est donc souvent associé aux grottes, aux lacs et aux sources. Étrangement, il vit sur une montagne. Son oiseau fétiche est le héron, mais on l'associe aussi à d'autres animaux comme les escargots ou les grenouilles. Est-ce qu'il y avait des guerriers là, apparemment? Donc c'est forcément quelque part par ici. De guerriers qui se tournent le dos et forcément du côté de celui qui a le serpent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du même genre en dessous? Non, je vois rien. Donc on va essayer de monter. Ah, dos à dos. Donc peut-être par là. Voilà. Ça devrait m'être utile. Là. C'est bon, trouvé. Merci, monsieur. Rien d'autre à voir dans ce coin-là, on a tout vu. C'est bon. Ah, quelque chose par là-bas. Gagné. Suivant. Lara, ton déguisement de la garde serpent est très réussi. C'est pas un déguisement, je suis un garde serpent. Pour la prison de ma mère. Les yeux innocents clignent à l'aube, quand la faiblesse disparaît. C'est noté. On va la faire sortir, Etsli. Encore une chose. Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'il devait le sacrifier, je... J'ai compris. Donc en fait, il y a deux jours de marché différents. C'est pas une arnaque, ça? Ce que j'aime bien, c'est que je pille la zone et personne ne réagit, quoi. C'est... Bonjour, je ne fais que passer. Déjà, alors là, c'est quoi? C'est de la vente d'esclaves? Ah non, c'est pas de la vente d'esclaves, c'est pour pouvoir descendre les gens qui sont là. Et regardez, eux là, ils font pas les bonnes choses dans le monde. Donc, ça, on s'en schtroumpf, ça aussi.
sages peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Papa, ne blesse pas, pitié. Voilà, gamine, éloigne-toi de cette porte. Ton père est un rebelle qui va mourir pour ses crimes. Papa, je t'aime. C'est sûrement Kayara, la fille dont parlait Edsley. Ce qui veut dire que Akane est dans cette cellule. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. On va lui parler à elle. Il y a deux éléments sur les côtés. Même un piaf. Pardonnez-moi, prêtresse, mais vous n'êtes pas inquiète. Inquiète de quoi ? Mais pourquoi ? Kukulkan a sacrifié tellement de gens ces temps-ci. Et pas seulement des rebelles. Enfin... Vous trouvez qu'il y a trop de morts ? Je sais quelle tribu réclame les dieux pour que le soleil survive, mais... Ne vous en faites pas. Cette vague de morts va s'arrêter. Croyez-moi. Aïe ! Makalma, Katalami ! C'est pas du tout ouvert. On voit qu'il y a un truc derrière la salle, mais on peut pas y aller. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Cette arme en bois est la reproduction quasi parfaite d'un fusil d'assaut moderne. L'artisan qui l'a fabriqué devait avoir une excellente mémoire, ou alors travailler d'après un modèle. Peut-être une arme volée au Trinitaire. Pas bon signe, ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ça, je peux. Je crois que j'ai à peu près tout vu, là. Ah, une boutique. On va voir ça. Ces pendants d'oreilles sont admirablement bien conservés. Ils sont ornés d'une gravure de bête ailée et dotés d'une grande trompe tenant à la main un bâton ou une torche. Ce type de bijou était symbole de richesse et de prospérité. Il a peut-être même appartenu à un membre de la famille royale. D'accord. Ok, bonjour madame, vous vendez des trucs ? Dites-moi ce que vous vendez. Que puis-je faire pour vous, Lara ? Et on se retrouve la dame ? Ouais, mais t'as plus rien qui m'intéresse du coup. Bonne chance, Lara. Merci, au revoir madame. Par contre, peut-être que je pourrais te vendre en fait. Toutes les affaires que je n'utilise pas. Venez voir ce que je propose. Oui madame, je viens voir ce que vous proposez. Hop là, on vend. Merci. Hop là. Bonne chance, Lara. Je crois que j'ai tout vu ici, c'est bon. Donc là, je pourrais descendre, toi, là. Peut-être que les rebelles vont... C'est triste qu'une petite fille se retrouve orpheline. Mais cette exécution remettra peut-être les pendules à l'heure. Ces rebelles menacent l'harmonie de Paititi. Certains ont l'impression que l'harmonie ne concerne que les habitants de la ville supérieure. Toutes mes excuses, prêtresse, mais... je n'ai pas choisi cette vie. C'était un don des dieux. Toute vie est un don. Allez, une petite dame, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pardon, prêtresse, ne me faites pas de mal. Je voulais juste dire au revoir à mon papa. Tu n'as rien à craindre, Kayara. Je suis avec les rebelles. Comment vous connaissez mon nom ? C'est ton ami Edsley qui m'a demandé de t'aider. C'est vrai ? Oui. Et sais-tu me raconter ce qui s'est passé ? Mmh. Mon père dit que Kukulkan a tué ma mère. Je lui ai dit que ça ne la ramènerait pas, mais il est têtu. Il a voulu tuer Kukulkan et maintenant il va mourir et je vais me retrouver toute seule au monde. Bah. Allons, tout va bien se passer. Écoute-moi, je devrais pouvoir t'aider. C'est vrai, il y a d'autres rebelles sur la place. Ils veulent aider aussi, mais ils ont trop peur. Vous pourriez peut-être les convaincre. Je vais faire tout mon possible, Kayara. Je te le promets, je ne vais pas les laisser te prendre ton père.
Merci, prêtresse. Oh, ça m'a mignon. Je m'appelle Lara. Alors, N'ayez pas peur. Je suis une amie d'Unuratu. J'essaye de libérer le prisonnier. J'ai besoin d'aide. Bien sûr. Mais ces gardes nous tueront si on approche trop. Occupez-vous d'eux. Ensuite, je vous aiderai. Je veux libérer le prisonnier, mais j'ai besoin d'aide. Vous êtes la jeune fille dont parlait Unuratu. Si vous éloignez les gardes, je vous aiderai pour la porte. Bonjour, prêtresse. Ça vous plaît, les exécutions ? Les exécutions ? Bien sûr. Mais j'ai besoin que vous arrêtiez les prières. Pourquoi est-ce que l'assistant a sonné la corne ? Je suis sûr qu'il y a une raison, mais reste quand même sur tes gardes. J'aimerais parler aux prisonniers. Pardon, prêtresse, mais il doit être exécuté, sur ordre de Kukulkan en personne. On le voit à l'intérieur. Et je vous suggère d'ailleurs de quitter la place, pour votre propre sécurité. J'en ai ras-le-bol des Jérémiades de ce rebelle. Passons à l'exécution, qu'on en finisse. La soif de sang est plus forte que ton plaisir d'entendre un homme souffrir. Bien sûr. Joueriez-vous de vos instruments pour en envoyer des dieux ? Ce serait un honneur, prêtresse. Alors, on va voir ça. Et de la musique maintenant ? Quand est-ce qu'on passe à l'exécution ? Allez, on devrait aller vérifier que tout le monde reste dans le rang. C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. Jal, il me plaît pas là-haut. Maintenant ? C'est bon, ils sont partis. Alors allons-y, maintenant. C'est bon, aidez-moi à ouvrir la porte. Oui, il faut faire vite. Ça devrait marcher. Alors ça va faire un bruit immense, les gens vont se retourner. Calme, je suis une amie. Si j'avais des amis dans votre genre, ça se saurait. Croyez-moi, l'habit ne fait pas le moine. Votre fille vous attend. Vous pouvez marcher ? Kayara ! Non ! Kayara ! Va-t'en ! Mets-toi à l'abri, et je te rejoindrai. Il est pas en bon état, lui, hein ? Je vais nous faire sortir d'ici. Je me souviens de vous. Vous êtes les plus belles. Et là, on peut aller par là. C'est possible, oui, Artika. C'est la vieille caserne. Par ici. Kayara, j'arrive. Mais va pas trop vite s'il y a un piège, tu te le prends, après je serai le seul responsable. Doucement, bonhomme. Bah du coup, je crois que ça mène au... T'inquiète, on trouvera bien une solution. Je ne perdrai pas espoir. Si on s'y met ensemble, on peut pousser cette pierre. Et là, il y a un mec de l'autre côté de la porte et kaboum! Vous m'avez aidé. Non, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Ma fille. Tenez, prenez ce couteau. Il appartenait à ma femme. Je comptais m'en servir pour tuer Kukulkan, mais je n'en ferai plus rien. Vous récupérez plus de ressources sur les animaux. Yes! Ça, c'est du couteau. Enregistrement terminé. Papa! Oh, Kayara! Je croyais que je ne te reverrai jamais, papa. Je suis désolé, ma chérie. Ah, laisse-moi te regarder. Je te promets que je ne te laisserai plus. Allez, viens, on rentre à la maison, ma chérie. Allez, viens, Kayara, on rentre à la maison. Oh, comme c'est mignon. Il se retourna. Retourna. I believe I can fly. Ah, c'est rigolo, ça, comme truc. Les rebelles prétendent vouloir unir. Mais en se battant, est-ce qu'ils ne nous divisent pas davantage ? Quoi ? Vous avez eu du cran. J'espère que ça incitera d'autres personnes à se rebeller. Moi, en tout cas, ça m'a motivé. Tant mieux. Vous avez réussi.
Les dieux soient loués. Quand les gardes ont repris leur poste, on a dû relâcher la porte. Je suis désolé. Plus d'exécution aujourd'hui, prêtresse. Le dernier prisonnier bientôt. Comment il a pu s'évader? Si jamais Kukulkan l'apprend, c'est nos têtes à nous qui vont tomber. Je parie que c'était la fille. Elle a fait un truc, j'en suis sûr. La petite fille? T'es sûr de vouloir utiliser cette défense? Le truc, c'est qu'on en a 50 minutes de rediffusion. Je pense qu'on va revenir au feu précédent. Et la suite, ce sera pour demain. Bah, Director's Cut Edition sur PC, je pense que c'est la seule qui existe hein, maintenant. Qui est encore en vente. Par contre, pour tout ce qui est jeu un peu ancien, je te conseille plutôt de passer par GOG pour les achats. Voilà, on va se regarder là, parce que je vois qu'on a atteint les 40 minutes pile, donc c'est parfait. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un nouveau couteau plus. Plus. Peut couper les cordes tressées, Lara obtient plus de ressources des animaux, d'accord. Et c'est tout, il n'y a pas d'amélioration ou... J'ai l'impression qu'on a quasiment rien amélioré. En même temps, j'ai rien acheté aussi, mais quand même, quoi. Bon, bah d'accord. Ok, compris. Compétences. On a 6 points de compétences, les gens. Carquois de slip. Tirer jusqu'à 3 flèches en reprenant votre carquois, d'accord. Je sais même pas comment on fait ce truc. Maintenez clic droit pour bander votre arc. Maintenez clic gauche et appuyez sur A pour zoomer sur 3 ennemis séparés et les verrouiller. Quand vous tirerez, les flèches frapperont tous les ennemis simultanément. Ok, faudra que je me rappelle comment ça fonctionne, mais au moins c'est expliqué. Il y a un petit tuto. Il nous reste plus que 1, 2, 3 tombeaux à faire. 4, il y en a un là. J'ai mal compté tout à l'heure alors. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. D'accord. La belle livre I can buy. Reflet du serpent, je sais pas quoi jeter d'autre. Écoute. Je sais pas. Pourquoi pas ça, allez hop. Il nous reste un point, on verra bien après. Hein. Allez hop, ça sauvegarde. Et du coup, on peut faire hop là. Sauvegarder le jeu. Alors en fait, on a plus de 42% maintenant, hein, je crois. Si on fait sauvegarde à nouveau, on en est à 55% du jeu. Voilà. Mais du coup, on va s'arrêter ici pour cette rediffusion et passer à notre jeu. J'espère que celle-ci vous a plu. C'est la rediff, hein. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, parce que Lara, je m'en doute pas qu'elle vous a plu. En attendant de se retrouver, merci à vous tous, merci pour votre présence et votre participation, merci à ceux qui ont fait des dons, notamment Urtica. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades de filmeurs sur frappstéjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, ciao tout le monde! Salut!